Typiquement, à Argenteuil, on a 27% de la population qui n'a pas de diplôme contre 21% à l'échelle du Val d'Oise, du département. Donc le gap, il est important. Et donc, effectivement, ça concentre toutes les difficultés. La première, pour moi, des difficultés, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Chaque année en France, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans emploi ni diplôme. Comment raccrocher ces décrocheurs? Comment les réinsérer dans le monde du travail? Fiona Lazar veut nous montrer un dispositif qui a fait ses preuves, l'école de la deuxième chance. Monsieur le Président, ça va? Très bien, et vous? Merci. Ici, on accueille des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme, puis on les accompagne dans leur premier emploi. Donc là, on va aller voir un groupe qui est en session informatique et bureautique. C'est un groupe qui est rentré il y a 3 semaines. D'accord. Bonjour. 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 Dans cette classe, 8 élèves entament leur réinsertion professionnelle.